Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, le Seigneur est notre rocher, notre citadelle. Il est le rocher, la citadelle de Étienne, lui qui a donné sa vie. Lui aussi qui nous rappelle que Jésus est le centre de notre vie, notre pain de vie. Il veut nous nourrir ce matin avec sa parole et aussi avec son corps. Réellement et spirituellement. Préparons-nous à célébrer cette merveille de l'Eucharistie en reconnaissant nos faiblesses, nos limites, nos fragilités. Déposons tout cela dans le cœur miséricordieux de Jésus. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, tu ouvres ton royaume à ceux qui renaissent de l'eau et de l'esprit. Fais croître en eux la grâce pour que, déjà purifiés de leurs fautes, ils ne rendent vaine aucune de tes promesses. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes, « Vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'Alliance, depuis toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. » Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui aviez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l'avez pas observée. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors, ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saül. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écriait d'une voix forte. « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s'endormit dans la mort. Quant à Saül, il approuvait ce meurtre. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En ta main, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée et qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Moi, je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge.
En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, je suis le pain de la vie, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, la foule dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons cette parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, Étienne est le premier témoin de la foi en Jésus ressuscité. Il a donné sa vie en offrande pour la vérité, pour susciter la conversion. Étienne a mis en lumière le péché commis en tuant le juste, en tuant le Fils envoyé par le Père. Et à cause de cette position, Étienne sera traité comme blasphémateur. Il est lapidé. Et en mourant, il a demandé au Père de pardonner ceux qui lui enlèvent la vie. Personne, vraiment personne, ne peut agir ainsi sans être habité par l'Esprit du ressuscité. Pardonner à quelqu'un qui nous fait du mal, quelqu'un qui veut nous enlever la vie. Jésus l'a fait sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus nous donne, lui, il nous aide à avoir un cœur disposé à pardonner, même devant les pires injustices. Dans le désert, nous dit l'évangile de Jean aujourd'hui, dans le désert, la manne était la preuve de la proximité de Dieu par rapport à son peuple. Mais maintenant, le même Dieu vient donner à l'humanité le vrai pain. Le vrai pain venu du ciel, c'est Jésus. Lui en qui nous croyons, lui qui donne sens à notre célébration ce matin, lui qui vient nous dire qu'il nous aime, il est le vrai pain, qui nous nourrit dans tout ce que nous avons comme faim, comme souffrance. Je suis le pain de vie, le vrai pain, dit Jésus. Autrefois, dans l'Ancien Testament, Dieu était le « je suis », mais maintenant il nous dit « je suis le pain de vie ». Une proximité extraordinaire de Dieu à notre égard. Nous avons la chance d'avoir la foi et nous savons clairement que Jésus est la parole de vie. Il nous donne la force pour vivre. Le Seigneur, il est le Seigneur, glorieux et ressuscité. Il se donne lui-même à nous comme nourriture de vie. Nous pouvons demander au Seigneur aujourd'hui de nous donner toujours de ce pain-là. Il n'y a pas d'autre pain capable de nous guérir, d'autre pain capable de nous nourrir vraiment, de nous faire avoir le bonheur. Mais nous ne pouvons pas seulement nous consacrer ce pain, nous rassasier de ce pain. Nous avons aussi à le distribuer. Nous avons aussi à annoncer le Christ comme celui qui peut apaiser toutes les faims de l'humanité.
Notre rôle en tant que chrétien et chrétienne, c'est d'entraîner les autres à la foi au Christ, d'entraîner les autres à l'Eucharistie, à travers notre exemple, à travers notre témoignage de vie. Comme Étienne, sachons dénoncer les erreurs, mais sachons surtout encourager à la conversion, à la tendresse, à la miséricorde. Sachons également avoir un cœur toujours disposé à pardonner à la manière de Jésus. Amen. Comme c'est tôt ce matin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Demandons à Jésus de transformer notre vie, d'être toujours disposé à pardonner, à aimer, comme l'a fait Étienne, comme surtout Jésus nous l'enseigne. Offrons notre cœur, notre vie et toute notre communauté au Seigneur. Et pour nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qui s'épanouissent en joie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Pour la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur chacune, chaque personne, chaque membre de notre communauté, sur les personnes qui nous demandent de prier pour elles, malgré nos fragilités, sur les chercheurs de Dieu, sur les personnes qui cherchent à avoir la paix du cœur. Nous implorons ta bonté et ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec les saints, Sainte Béatrice, Saint Viateur, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est parce que Étienne était envahi par l'Esprit de Jésus ressuscité, l'Esprit que le Père nous donne. Voilà pourquoi qu'il a pu témoigner en donnant même sa vie. Nous aussi, en enfants de Dieu, nous pouvons chercher tous les jours à faire tout ce que nous pouvons pour faire la volonté de Dieu. Prions le Père en disant, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les difficultés, les épreuves de cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus qui nous donne son Esprit Saint pour témoigner de lui. Il est le pain de vie, le vrai pain venu du ciel, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Oui, Jésus est le pain de vie. Il vient étancher notre soif. Il vient apaiser notre faim, toutes nos faims. Il vient nous guérir. Il vient refaire ce que nous sommes en union avec toute la communauté qui a communié spirituellement à Jésus, pain de vie, Jésus qui apporte sa paix, Jésus qui transforme notre existence et qui nous aide à regarder vers l'avenir. L'avenir, notre avenir est en Jésus. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci Jonathan. Merci. Merci Richard. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du ressuscité. Amen.